montrer quelque chose que j'ai découvert. Moi, j'aimais, je suis tombée amoureuse de ça. Je suis tombée amoureuse de ce petit produit, c'est pour Noël en fait. Je me suis dit que ça peut aussi vous intéresser, donc j'ai dit, je vais aussi vous montrer. Les emballages. Est-ce que vous pouvez imaginer quand vous voyez comme ça des chapeaux, des Père Noël et tout ça? Ça ressemble à une déco en genre, mais c'est des emballages, les amis. Des emballages. Attendez, je vous montre. Je pense qu'à l'intérieur, on peut emballer des chocolats, des bonbons. Et ça dépend de vous aussi, hein. Voyez. C'est des emballages. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs modèles. En fait, j'ai pris. Je voulais prendre pour moi. Après, je me suis dit, bon, il faut que je prenne les différents modèles pour vous présenter. Donc, il y a ce modèle-ci en chapeau. Il y a celui-ci en ballon. Je crois que c'est le ballon. Oui. Et des emballages. Tout ça, c'est des emballages. Ça dépend de ce que vous pouvez vous les mettre dedans. Ça peut être des bonbons, des chocolats ou alors autre chose. Pourquoi pas? Pour le cadeau de Noël. Je ne sais pas. Ou alors commercialiser. Donc je vais vous montrer ça et ça ne pèse pas. Le gros avantage c'est que ça ne pèse pas du tout. Voilà, là on a le panier de Noël. Là les emballages sous forme de panier de Noël. Vous voyez. Donc j'ai pensé à vous. Je me suis dit, bon, vous savez, quand je trouve un truc comme ça, je ne peux pas garder pour moi. Là on a le gant. C'est joli, c'est vraiment joli. Pour la déco et pour dépendre. Chacun sait pourquoi il peut. Comment il peut utiliser ça en fait. Il y a le gant. Et là, on a le Father Christmas même. Donc, le Père Noël, il est là. Donc, c'est toujours l'emballage. Bon, avec le Père Noël, la différence, c'est que devant, là, dans ces deux, ici, c'est transparent. Voilà, c'est plus qu'on va voir le cadeau, vous avez mis à l'intérieur. Et là, c'est pas comme les autres, en fait. Donc, voilà rapidement ce que je voulais vous montrer pour Noël. Donc, c'est aussi pour vous inspirer, hein. Ça peut aussi, donc ça peut intéresser certains d'entre vous. C'est pour ça que je vous ai montré ça.